Yo, salut les gars, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui au parc. Je voulais vous faire une vidéo sur le muscle up. J'ai envie de partager avec vous trois exercices pour le muscle up axé débutant. Donc si vous n'avez pas encore le muscle up, c'est trois exercices qui vont vous aider à atteindre votre objectif. Moi, c'est trois exercices que je ferai si vraiment j'étais pas encore rendu au muscle up. C'est trois exercices que je ferai. Je vous montre ça directement. On a juste besoin d'une barre assez haute, la barre que vous avez l'habitude de prendre pour faire votre action, et une barre assez basse. Donc celle-ci, elle est un peu basse. On va prendre l'autre qui est à côté. Et un élastique en plus. Donc premier exercice, vous mettez sous votre barre préférée. Donc moi c'est celle-ci, pourquoi? Parce qu'elle est à, elle a ma taille, elle est pas si haute que ça hein, mais vu que je fais pas 1m90, tu vois, c'est très bien pour moi. Et le premier exercice, ça va être des tractions explosives, mais surtout des tractions hautes. Donc on va monter le plus haut possible jusqu'à atteindre en fait le nombril avec la barre, même la taille, tu vois. Je vous fais un test, je vais vous montrer les tractions normales et je vais monter de plus en plus pour vous montrer vraiment les tractions qu'on veut, quoi. Donc les tractions classiques, voilà, je fais les tractions classiques et je vais monter de plus en plus haut. Là, le pec et après le nombril. Voilà, et là je tire. Là je peux dire je tire, mon pote. Je tire de plus en plus, je monte de plus en plus pour arriver vraiment là c'est presque le muscle up en fait. Je monte tellement haut qu'en fait après j'ai juste à faire quoi, j'ai juste à engager les poignets, les coudes et à faire le dips. Donc voilà, c'est pour ça que je conseille cet exercice là parce que vous allez quand même gagner pas mal en force. C'est vraiment la première étape du muscle up, c'est le monter la traction le plus haut possible en fait. Je vous refais un petit test. Voilà, je prends la barre et je monte jusqu'à arriver au niveau du nombril. Alors pour vous aider, prenez un tout petit élan au début. Donc allez chercher un peu vers l'avant avec vos pieds. Vous pointez un peu à l'avant avec vos pieds et vous montez le plus haut possible. Là, je pointe et je vais chercher. Je pointe et je vais chercher. Voilà, jusqu'au nombril. Alors pour le deuxième exercice, on va prendre une barre assez basse. Celle-ci, je trouve qu'elle est encore un peu basse. Faudrait entre celle-ci et celle-ci. Bon, on va faire quand même avec celle-ci. C'est pour apprendre le mouvement du muscle up. En fait, on va mimer le muscle up dans un premier temps. Alors, un muscle up, c'est quoi? C'est je suis en suspension à la barre. Je fais ma traction. Et là, justement, on va céder ses jambes. On va sauter un petit peu. J'engage les poignets et les coudes. Tac! Au-dessus de la barre. Et ensuite, je fais un dips. Donc, si vous avez une barre un peu plus haute que celle-ci, c'est intéressant parce que vous pouvez la prendre là. Et on va faire des muscle up fake. Comme j'en ai parlé dans la vidéo des tractions, les tractions fake, là en fait c'est un peu, c'est exactement la même chose. On prend une barre beaucoup plus basse que la barre qu'on prendrait pour faire nos muscle up habituellement et on va céder de ses jambes en fait. Donc on va pousser, comme ça la traction sera plus facile. Si on saute bien, le passage des coudes, le passage des poignets va être plus facile également. Il nous restera la dips à faire. Donc je suis là, je saute et je pousse. Plus ça devient facile, moi, on va pousser avec les jambes. Donc là, je vais pousser très peu. Je vais forcer quand même. Je pousse très peu. Là, ça commence à être dur. Et je pousse. Voilà, quand ça commence à être dur, là, c'est-à-dire que ça travaille. Donc là, je vais prendre une barre un peu plus haute. Vous voyez qu'elle n'est pas si haute que ça. Mais contrairement à celle-ci, on a quand même 40 cm de différence. Mais là, on va pouvoir céder de ses jambes. Alors, je vais vous montrer sur la barre plus grande. On avait appris les tractions fake dans une autre vidéo. C'est je poussais. Je poussais. Voilà. Des fausses tractions, mais moins on va pousser sur nos jambes, plus ça sera dur. Mais on va faire la même chose pour le muscle up. Je pousse dans mes jambes, j'arrive là et je pousse. Donc forcément que ça va pas nous aider sur la dips. Ça va jamais nous aider sur la dips, ça. Mais au moins, ça va nous aider sur la traction. Donc on va mettre aucune énergie dans la traction et beaucoup moins d'énergie dans le passage des coudes. Je pousse, j'engage et je fais mon dips. Voilà. Et le troisième exercice, un exercice que tout le monde connaît, hein. Normalement, on l'a vu pour les tractions et on le voit dans de nombreuses figures de street workout. On va se délester avec un élastique. Je mets mon élastique sur la barre, oula, sur la barre de traction. Hop, tu l'enfiles comme ça, bam, tu mets un ou deux pieds. Fais attention à ce que l'élastique ne te revienne pas dans la gueule. Donc cale-le bien sous tes pieds et tes pieds, tu les laisses vraiment à plat. Tu les laisses vraiment à plat, tu chopes la barre et là, comme pour le premier exercice, je vais chercher un petit peu devant. Et je fais mes muscle up. Voilà. Grâce à ça, ça va quand même bien vous délester. Pourtant, l'élastique est assez fin. Il y a beaucoup plus épais comme élastique qui aura plus de résistance, qui va encore plus vous aider. Et ça, pour apprendre la technique, c'est vraiment bien. Parce que je mets presque pas de force. Alors, plus c'est facile, et ben vous allez utiliser un élastique avec une plus faible
résistance comme celui-ci que je trouve pas mal. Bon, pour moi c'est assez simple parce que je maîtrise quand même les muscle up, mais vraiment si tu es débutant et que tu commences, prends un élastique beaucoup plus gros que ça et plus ça sera facile, plus tu vas t'orienter là-dessus. Je vous refais une petite démo. Je cale mon élastique, un ou deux pieds, prends la barre, je vais chercher un petit peu devant, traction, passage de coude, dips. Et là j'enchaîne. Bam. Ouh. Soit j'enlève l'élastique en haut, comme ça je redescends comme ça. Ça évite qu'il te revienne soit dans le dos ou soit dans la gueule. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Voilà, je voulais juste vous montrer trois exercices pour le muscle up. Il en existe énormément d'autres, mais on va dire que c'est mes trois préférés. Je pense que je pourrais faire une vidéo vraiment beaucoup plus complète sur le muscle up. Parce que ça fait déjà plus de 7 ans que j'en fais, donc j'aurais des choses à dire. Dis-le moi dans les commentaires. Et sinon, tu peux me suivre sur Instagram si tu veux voir toutes mes vidéos perf, etc. Et je te souhaite un bon training. Ciao. Donc là, je me rapproche des barres de dips parce que les barres de dips ont l'air d'être un tout petit peu plus hautes que... Non, pas du tout. Pas du tout.